Coucou les amis, alors aujourd'hui, une petite confidence que je vais te confier. On reste en intimité, donc petite confidence particulière. Quand tu communiques avec une personne, d'expérimenter l'observation suivante. Vous allez voir que quand la personne parle, notamment quand je lui pose des questions et qu'elle me répond, et bien parfois elle regarde en l'air comme ça, vous avez remarqué. Elle regarde en l'air, ou alors parfois elle regarde sur les côtés, ou quelquefois elle regarde en bas. Et en fait, on montre que le mouvement des yeux, c'est une technique PNL, nous indique dans quel secteur en fait elle va chercher des réponses à ses questions. Et alors si par exemple elle regarde en l'air, on est plutôt dans du mode visuel. Si elle est plutôt en bas, on est plutôt dans du mode ressenti. Si elle est plutôt sur les côtés, on est sur du mode auditif. Et alors ça, c'est pour les choses très très simples. Après, ça peut se compliquer un peu plus, mais restons simples. Et la petite confidence que je te fais, c'est que quand la personne est plutôt en l'air comme ça, incite l'usage des mots, des termes plutôt visuels, par exemple avec qu'est-ce que tu es en train d'imaginer, ou quand tu penses à ça, qu'est-ce que tu es en train de remémorer dans ta tête, ou quels sont, et d'orienter davantage le discours sur du visuel. Si elle est plutôt sur de l'auditif, dire tiens, qu'est-ce que tu es en train de te dire, ou qu'est-ce que tu t'expliques, ou tiens, j'ai l'impression que tu te parles de quelque chose, ou qu'est-ce que tu aurais envie de dire, ou qu'est-ce que tu pourrais m'expliquer d'autre, de différent. Puis si elle est plus dans du ressenti, dit tiens, qu'est-ce que tu ressens là, en fait, qu'est-ce qui se passe pour toi, qu'est-ce que tu es en train d'éprouver. Et puis après, ce que vous pouvez faire, ça c'est une autre petite confidence, c'est de passer d'un canal à l'autre et de privilégier plutôt d'ailleurs l'usage du ressenti, parce que vous allez voir, c'est celui qui vous emmène dans la meilleure qualité de relation. Voilà, c'était la petite suggestion du jour. À tout bientôt pour une prochaine confidence. À bientôt.